coup, nous passons au déplacement avec le service de recharge pour véhicules électriques, la reprise des infrastructures existantes et lancement des études en vue d'un schéma directeur métropolitain. La parole est à Yann Mongabiru. Et la création d'un service public métropolitain d'infrastructures de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques et hybrides, Monsieur le Président. Si vous permettez, cette délibération, elle fait suite à l'expérimentation Citélib Bayamo qui, après 3 ans, s'est conclue et dont nous avons tiré le bilan. Il a été présenté en commission et par ailleurs dans la presse, je n'y reviendrai pas. Mais parmi les éléments de bilan de l'expérimentation Citélib Bayamo, nous avons pu remarquer le succès des bornes de recharge électrique de l'expérimentation. Vous savez que 40 bornes de recharge électrique sont d'ores et déjà disponibles sur l'espace public métropolitain dans les stations qui étaient mises à disposition de l'expérimentation Citélib Bayamo. Cette délibération, elle vise à continuer le service qui était déjà ouvert sur ces 40 bornes en maintenant dans une première phase en tout cas la tarification actuelle. Je n'y reviendrai pas pour le moment, et les 120 bornes qui étaient réservées aux véhicules Toyota, de pouvoir en récupérer la possession gracieusement, puisque la convention d'expérimentation prévoyait cette possibilité, et de réaliser les investissements de façon à ce que ces 120 bornes qui étaient réservées aux véhicules Toyota soient reconverties en véhicules ouverts à tout public, de façon à ce que nous puissions réimplanter ces bornes au cours de l'année 2018 sur le territoire métropolitain, prioritairement dans les parkings relais et les parkings en ouvrage. Ça fera plaisir à nos amis, et je pense particulièrement au pavillon de la mobilité ou à tous les parkings relais qui sont en entrée d'agglomération et sur lesquels nous avons besoin d'apporter des services complémentaires aux automobilistes qui font le choix d'engager la transition énergétique de leur véhicule et par ailleurs d'avoir une approche en termes de parking plus transport en commun ou parking plus marche. C'est l'objet de cette délibération. Enfin, au-delà de ces investissements et de ce redéploiement des bornes, de lancer un schéma directeur des infrastructures de recharge de façon à identifier les secteurs au-delà des parkings relais et des parkings en ouvrage sur lesquels nous aurions besoin de venir compléter les lieux d'implantation, en sachant, chers collègues, que à travers cette délibération, nous ferons d'ores et déjà en 2018 de la métropole grenobloise le territoire le mieux équipé de France en termes de bornes de recharge électriques au bénéfice de tous les tiers de notre territoire, véhicules particuliers comme véhicules d'entreprise.